Une violente tempête accompagnée de grêle s'est abattue sur la région de Bienne, en Suisse. Elle a fait 6 blessés graves et provoqué d'importantes perturbations du trafic ferroviaire et aérien. Les vents violents ont causé de sérieux dégâts dans le campement où logent les participants à la fête fédérale de gymnastique de Bienne, accueillant 60 000 athlètes et 200 000 visiteurs. Des grêlons d'au moins 2 cm de diamètre se sont aussi abattus sur Genève, où près de 20 litres au mètre carré sont tombés en un quart d'heure. Cette tempête est venue de France, où les intempéries ont fait de gros dégâts dans les Pyrénées. Le président François Hollande s'est rendu sur place pour rencontrer les sinistrés dans la commune de Saint-Béat. Il a promis que l'état de catastrophe naturelle serait déclaré dans la région. Certains villages ne sont encore accessibles que par hélicoptère. Les habitants y sont restés 2 jours sans secours ni possibilité d'accès. La rivière Nest est sortie de son lit en portant un pont et des tronçons de route. Dans la commune de Barège, 2 maisons ont été emportées par les flots.